je voudrais vous saluer, chacun et chacune. Je voudrais vous inviter à vivre une belle célébration, un beau moment, un moment que nous confirmons attendre depuis longtemps. Pour eux, nous allons observer un petit moment de silence. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Dis le Seigneur en mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de ses biens. Me voici.
Lucia. Lucia. Maëlle. Voici. Maïka. De manifester devant tous en disant « Me voici », votre désir d'être confirmé. C'est une démarche inspirée par votre foi, une démarche importante à laquelle vous vous préparez depuis longtemps. Votre foi, elle a été aidée, accompagnée par vos parents et marraines, vos animateurs et bien d'autres encore, qui ont permis à votre foi de grandir et de se développer. Maintenant, il vous appartient de dire devant toute l'assemblée ici présente, d'exprimer votre foi. Et donc, je vous invite à me répondre. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous tout ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan. Oui, je le rejette. Rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert la passion, qui a été enseveli, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. J'invite maintenant toute l'Assemblée à se lever. Vous
vous, mes amis, qui partagez la foi chrétienne, vous qui avez aidé la personne qui va être confirmée, je vous invite aussi à votre tour à proclamer et dire votre foi. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, en Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Maintenant, avec juste un petit refrain, recueillons-nous. Je vais avec les prêtres qui sont là, qui vont me rejoindre, je vais sur vous imposer les mains et dire une prière. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les aussi de l'esprit d'adoration. Nous t'en prions par Jésus Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. John, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Mirlande, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Louisette, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Continue ta route.
Jackie, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Bernard, sois marqué de l'Esprit Saint. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et n'oublie pas ce moment. Christopher,
soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Johnny, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et n'oublie pas ce moment.
soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Bonne route à toi. Brooklyn. Brooklyn, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et bonne route à toi. Mathis, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Bon courage. Marlon, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Eva, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Alicia, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Je te souhaite plein de joie. Thank you.
chacun autour d'elle fédérer une équipe hein, du Christ ressuscité. Merci pour cette animation. Les confirmations, bien sûr, sont attendus après à la crypte pour ma mère d'amitié. Entourons-les. Et bien sûr, ils sont tous attendus demain dans chacune de leurs communautés paroissiales pour célébrer la solennité de la Trinité et aussi, surtout, pour rendre grâce autour de leurs frères et sœurs, de leur communauté paroissiale, du don qu'ils ont reçu. Dieu notre Père vous a fait renaître par l'eau et l'esprit. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous garde fidèles à son amour. Amen. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. Amen. L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Amen. Et que Dieu tout-puissant et tout proche vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix de Christ. Oh.